بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الأخوة أيها الأخوات مدى مرحبا بكم ميرسي دات أو غندي فود فوتر ميسيو أفي غوليجيو avec moi le الدكتور بعلم جوهري أنسينيان على l'universite دكتور جهري مرحبا بك Et comme d'habitude, nous commençons notre émission par euh, débattre d'un sujet qui a une relation avec le comportement d'un musulman envers euh, ses frères, euh, qui est la salutation. La, saluta, la salutation musulmane, salam, euh, son importance. Euh, Est-ce qu'il y a des règles à observer là-dessus son impact sur les relations, le sens de cette salutation en, en islam par rapport au système de valeurs euh, de notre islam. D'abord, docteur euh, Dhuri, on parle d'une salutation en islam. ça veut dire alihi wa wa La salutation appartient à l'éthique de l'islam. Ça rentre dans les valeurs que chaque musulman doit observer. Mm -hmm. Et euh, le musulman est toujours euh, celui qui cherche à, euh, en quelque sorte, à perfectionner euh, son comportement et ses relations euh, à l'égard d'autrui. Et le premier contact pour, euh, en quelque sorte, bâtir des relations mutuelles entre les gens, c'est de se dire euh, bonjour ou de se saluer. Euh, c'est le commencement de tout comportement euh, mutuel. Et d'ailleurs, le prophète, euh, lorsqu'il est arrivé à Medine, euh, c'est-à-dire il a fait la, la hijra, euh, un des compagnons qui n'était pas euh, musulmans euh, à cette époque-là, il était juif, euh, Abdullah bin Salam. Il a raconté que lorsque le prophète salam, est arrivé, il y avait beaucoup de monde qui, qui, ont, qui ont accouru vers le prophète salam, pour le saluer. Et lui, il était dans la foule pour euh, voir le visage du prophète. Et lorsqu'il a vu le visage du prophète, il a dit J'ai su que ce visage-là n'était pas un visage de quelqu'un qui, euh, qui est menteur. Et les premières paroles qu'a propagées le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'a dit aux gens en les saluant, il a dit aux gens, ya aux gens, propagez le salut, afchou assalam, donnez à manger aux nécessiteux, ataymou consolider, consolidez vos liens de parenté, silul arham. Et prier euh, pendant la nuit lorsque les gens euh, font sommeil, voilà, vous irez au paradis euh, avec toute sécurité. C'est-à-dire que la première chose que le prophète alayhi wa sallama, euh, a propagé euh, aux gens, euh, a donné comme consigne, comme conseil aussi, c'est de propager. Le salam, de propager le salut. Parce que c'est le, le commencement euh, de, toute, euh, de tout statut social euh, lié en quelque sorte au bon comportement. Et euh, d'ailleurs, Allah Azza lui-même s'est attribué euh, parmi ses 99 noms le nom de salam. Allahu La Ilaha Al-Malik, al quddus Al-Salam. Et le salam, le salut se trouve euh, en quelque sorte où le, le, le musulman euh, est entouré par cette euh, appellation-là, par euh, ce statut-là de, 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 de salam, de, de, du, du salut ou de la salutation. Les, les prophètes. أو رسول عز وجل سلام على نوح في العالمين سلام على إبراهيم سلام على موسى وهارون سلام على ياسين سلام عليه يوم ولد ويوم يموت والسلام علي عليه إلخ. c'est à dire que euh, ce, cette Toute la vie de tout caroyant depuis que Allah a créé l'humanité. Et d'ailleurs, ça va finir aussi cette relation-là, même entre nous et Allah ça va finir par une salutation lorsqu'on ira au paradis. Hein, les, les, les anges, les anges euh, nous diront Salaamun alaykum tibtum khalidin. C'est-à-dire, recevez le salut de nous et de la part d'Allah. Et <'en> ça va continuer. La salutation dans le, le, le paradis, ça va continuer à être la salutation des, -à -dire des, des, des habitants du paradis, les, les, les croyants. C'est-à-dire que cette salutation-là est liée à la vie du musulman depuis qu'Allah a créé l'humanité jusqu'à au jugement du, du dernier jour, et jusqu'à même euh, au paradis. Et le prophète Ali Salatou salam, nous a indiqué que la salutation en elle-même peut ouvrir les chemins de, de, de l'amour mutuel euh, les uns envers les autres. Lorsqu'il a dit, ça, de par les... celui qui détient mon âme, c'est-à-dire par Allah, il a juré que vous n'allez rentrer au paradis qu'après avoir eu la foi. C'est-à-dire les finalités, les finalités de, de, de la salutation et d'ailleurs de tout comportement recommandé par l'islam, ouais. c'est renforcer l'amour. L'amour, bien sûr. D'ailleurs, un savant a dit que lorsqu'on part des enseignements de l'islam, on peut déduire facilement que l'islam est la religion de l'amour, par excellence. bien sûr, par excellence. Et je vais continuer le hadith et ça va être vraiment clair. Le prophète dit après Et vous n'atteindriez jamais la vraie foi. Qu'après que vous vous, euh, vous, aimiez. vous aimiez les uns les, les autres. autres. Et puis il nous a donné en quelque sorte la clé de cet amour. Ça commence de quoi Par une, quoi Une des clés. Une des clés. Afala voilà. ala <laughs> shayin. Puis-je, euh, euh, c'est-à-dire, vous, euh, mm. vous donner une, une, une certaine. Vous enseigner vous une certaine chose avec laquelle vous allez vous aimer les uns les autres Afshus mm. salama. <laughs> Propager le salut entre vous et quand on dit le salut c'est à dire tu le salues mais aussi tu lui donnes euh, tu, une, le une, tu le rassures une confiance c'est oui. euh, à dire que le musulman lorsqu'il salue son frère ou il salue autrui aussi ça peut être euh, même euh, un adepte d'une autre religion ou, ou d'un homme qui n'est pas vraiment religieux alors il, il lui euh, donne cette assurance-là que le mal ne parviendra jamais euh, de lui. Euh, parce tu es rassuré. Tu, voilà, tu es rassuré Quand de ma part. vous salue par là, le, le salut, voilà. là, tu es rassuré. Voilà, euh, et D'ailleurs, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, « Al-muslimu man salim al-muslimuna min lisanihi wa yadihi, wal-mu'minu man aminahu al-nass nas c'est-à-dire, le croyant, le vrai croyant, c'est celui qui donne assurance aux gens. aux gens que le mal ne parviendra jamais de, lui. de sa part, Absolument. de lui. Mm -hmm. Et dans ce sens-là, la salutation est euh, en quelque sorte recommandée. Mustahabba, hein, Sunnah est recommandée. Est, euh, et d'ailleurs, le prophète un jour était euh, parmi euh, ses compagnons, il y avait un, un homme qui est venu euh, euh, et il a salué le prophète sallallahu wa sallam, en disant Assalamu alaykum. Euh, le prophète alayhi sallatu sallam lui a rendu euh, la salutation. Et il a dit et de dix, dix. C'est-à-dire il y a dit « bienfaisants, c'est les hasanat ». Un autre est venu après, il a dit Assalamu alaikum wa rahmatullah. Et le prophète, après qu'il a répondu à cette salutation, a dit « et de 20 ». C'est-à-dire il y a 20 récompenses, bienfaisances. Et un autre après est arrivé, il a dit « Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ». Après avoir répondu, le prophète a dit « et de 30 ». C'est-à-dire que le prophète nous incite, à euh, propager cette parole parce qu'il y a beaucoup de hasanettes, beaucoup de de, de récompenses qu'on peut gagner euh, de, 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 de de ce fait là, de, de fait de propager le, le, le salam. Compte euh, voilà, c'est une motivation. Compte à celui qui reçoit euh, la salutation, il est obligatoire qu'il rende cette salutation là, qu'il réplique.

Vous euh, répliquer. L'idéal, que... c'est de répondre de la meilleure façon, euh, de la, la meilleure, meilleure des façons. façons, oui. meilleure des façons. Oui. Si vous êtes salué par une salutation, veillez à ce que vous allez répondre du mieux que vous connaissiez. C'est-à-dire, et lorsqu'on est, euh, c'est-à-dire un groupe, et on reçoit une salutation de la part de quelqu'un, là, ça devient une obligation collective. Il suffit qu'un seul de ce groupe-là réponde pour que les autres ne soient pas concernés, euh, Soit par dispensé. cette voilà, ils soient dispensés par cette obligation-là. Sinon, il sinon... y, y a bien sûr un, un châtiment, il y a un péché qu'on qu a commis. Pourquoi Parce qu'on n'a on pas communié avec euh, l'autre. On ne lui a pas répondu et ça poussera peut-être à casser et à briser les, les liens de fraternité euh, qu'il qu y avait entre nous. Le, le salut, alors, il faut la faut salutation, pas le salut. alors il faut pas banaliser du tout le salut. Et d'ailleurs le prophète Salam nous a donné quelques règles même. أن ديزون يسلم الراكب على المشي القاعد أو الراجل على uh, الراكب على الرجل ويسلم المشي على, على القاعد, القاعد ويسلم القليل حل. على الكثير ويسلم الصغير على الكبير. Mm. c'est à dire qu'il y a des règles à observer uh, c'est quelque chose d'important que le prophète صلى الله عليه وسلم a pris en considération Parce que le prophète ﷺ ne va pas donner de, 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 de son temps, ne va pas donner euh, c'est à dire le euh, jehd pour, pour quelque chose qui n'est voilà son effort pour quelque chose qui n'est pas banal. vraiment euh, d'une importance. Oui. Alors lorsque on voit dans beaucoup de, de hadiths du prophète alayhi wa sallam, où il parle beaucoup de la salutation. Et comment que cette salutation-là, maintenant, aujourd'hui, en voyant les musulmans dans le monde, est un signe euh, concernant, c'est-à-dire euh, un signe distinguant le musulman, distinguant l'islam. Lorsqu'un musulman euh, est parmi euh, d'autres gens qui ne sont pas musulmans, la première chose, euh, il, il dit Assalamu alaikum, ou les gens le, lui disent Assalamu alaikum, et c'est devenu en quelque sorte une marque, euh, <laughs> si on veut, une marque de, de l'islam. D'ailleurs, dans, ouais. dans, dans un hadith authentique, ouais. le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit qu'il a six devoir, le, le musulman a six devoir à accomplir à l'égard de son frère. Ou ce qui, ou ce qui est un devoir ouais. pour ouais, ouais, moi ouais, bien sûr. à l'égard de mon frère, c'est un droit pour lui. Ouais. Le premier devoir a dit le saluer. Le saluer si ou le, lui si répondre le, le, le salut. Voilà. « as-salam » C'est-à-dire qu'on a besoin de, de cette affection-là. On a besoin de renforcer. De, de renforcer nos liens. La fraternité, sans parler, sans se, sans com se communiquer... Ne persistera jamais autant. Et d'ailleurs, le prophète a dit que qu'il est interdit aux musulmans de délaisser son frère, en quelque sorte, lorsqu'il y a un litige, de se détourner de son frère plus de trois jours. Euh, C'est-à-dire qu'il vous a donné en quelque sorte un intervalle de trois jours pour réfléchir, pour essayer il de pas trouver, pour une, 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 voilà, de, de se détourner de son frère. Il n'est pas permis à un musulman de se détourner de son frère plus de, de trois, trois jours. jours Lorsqu'il y a bien sûr oui. litige, qu il, il dit le lui. troisième jour, parce que pendant les, 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 les premières journées, euh, peut-être qu'ils se rencontrent. Et euh, celui-là se détourne et ce, celui-là se détourne aussi parce qu'il y a peut-être un mécontentement, un bien litige, bien un, problème, mais... un problème, etc. Il dit euh, euh, C'est-à-dire l'un se détourne de son frère et l'autre se détourne de son frère parce qu'il y a problème. Il dit C'est-à-dire que le, le, la salutation en elle-même peut être la clé aussi de réconciliation. Et le meilleur d'entre eux, c'est celui qui euh, va en premier, euh, envers son frère, et le saluer. Le saluer, même qu'il euh, ne trouve pas peut-être la solution du problème euh, qui persiste euh, entre eux, mais quand même la salutation-là va briser. Euh, ce climat de mécontentement, ce climat de haine, pour qu'il ne, voilà, ouais. qu ne dure pas, et peut-être qu'il va apaiser les âmes, qu soit parce une... que vous allez recevoir le, la salutation de votre frère, vous êtes dans l'obligation de rendre cette salutation-là, de, de répondre à cette salutation-là, et euh, en répondant à cette salutation-là, peut-être vous allez apaiser, hein, en quelque sorte, diminuer le, le, la flamme de cette haine-là. La, la salutation est très importante euh, dans la vie euh, du musulman jusqu'à ce que Allah Azza wa Jall nous dise ya ayuha alladhina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tastanisou wa tusallimu ala ahliha c'est à dire que même en y, en y allant euh, chez autrui euh c'est à dire dans sa demeure on est obligé, on est obligé de, c'est-à-dire d'essayer de, de, de connaître est-ce qu'il y a quelqu'un qui va nous ouvrir déjà, euh, demander gentiment, tester hein, Et puis wa c'est-à-dire la, la moindre des choses pour euh, avoir une, une relation avec autrui, ça commence toujours par la salutation. Okay. Ce dernier, cet amour, cette affection, ouais. ce respect envers, envers nos, frères, notre oui, nos frères, nos frères, nos soeurs et tout, tout ça, c'est le comportement, c est, c est, il doit gérer nos comportements au quotidien. Nous ne ouais. sommes pas liés à une journée dans l'année pour exprimer ou pour... pour j'ai compris, j'ai compris.

en quelque sorte euh, quelque chose qui, de, de matériel qui nous attache à lui, et euh, de craindre ou d'avoir en quelque sorte la décision de ne pas y retourner envers euh, le péché après qu'Allah euh, nous a sortis de ce péché-là, comme on n'a pas le, le rabat. Mm -hmm. hmm. Euh, le, de, désir, de, le désir, voilà, le désir d'y aller en enfer. Et ces trois choses-là sont liées directement à l'amour. Et puis il y a l'amour des parents, il y a l'amour euh, du conjoint, l'amour la, de la sahébah, la Allah a, euh, bâti. a bâti la, la vie conjugale. familiale, la, la, la vie conjugale euh, sur... Un des piliers, mais bien sûr plusieurs piliers, mais l'un des piliers c'est le mawadda. Ça veut Ma dire l'amour la, 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 mutuel entre l'époux et l'épouse. Il y a l'amour de nos enfants, il y a l'amour du voisin, il y a l'amour même euh, de celui qui n'est pas de notre religion. Le prophète alayhi wa sallama, a aimé euh, son oncle paternel jusqu'à ce que la mort les sépare ou les ait séparés.

Tu as aimé. C'est-à-dire que le Allah a confirmé que le prophète avait de l'amour envers un micrion C'est-à-dire que voilà. ce qui nous manque, c'est savoir concrétiser, vivre, savoir manifester Et cet amour. C'est l'art de vivre avec barak quotidiennement. Barakallahou fiqh. Je... Lorsqu'on lorsqu dit... Que le, le prophète, lorsqu'il il rentre chez soi, la première chose qu'il fait, c'est de répondre, c'est-à-dire de, de propager le salam, de dire le salam. Imaginez que, à chaque fois que quelqu'un revient chez soi, la première des choses. Non pas en entrant euh, d'y aller, je sais pas, euh, voir la, la, la télévision ou, ou prendre quelque chose dans la cuisine, etc., sans avoir de, de, de quelque chose qui le lie directement à ceux qui étaient là. Hein? Même pas la salutation. Comment que les relations vont voilà. évoluer Ou comment que l'amour va persister dans on cette maison-là Lorsqu'on oui. s'ignore, on, on ignore. La première chose qui qui prouve en quelque sorte qu'on on n'ignore pas euh, autrui, le conjoint, euh, le père, la mère, l'enfant, etc. Hein, c'est de dire Assalamou alaykoum ». Et c'est une tradition prophétique. C'est-à-dire que la salutation rentre dans ce domaine-là pour consolider les liens et pour propager de l'amour. Et euh, il est temps d'entamer les questions. Docteur Inch'Allah. Euh, euh, je vous remercie pour votre Peut-être qu'on va y revenir. Euh, que euh, parce que c'est vaste un petit peu. Vaste, on on a négligé quelques côtés, mais on va y revenir Allez. dans d'autres émissions. Inchallah. Inch'Allah. Pour les questions, la première question, après votre permission, bien Inchallah. sûr. Pendant la prière, dois-je dire Bismillah ar rahim à chaque sourate puis-je mm. faire la prière dans une chambre où il y a des cadres photos, donner des vêtements à une association qui les vende Est-ce est une sadaka mm. Commençons par ce qu'elle doit dire ar-Rahim pendant la, la prière, euh, avant chaque sourate. Ben, concernant notre école juridique, Malikit, c'est même indésirable en quelque sorte. De Prom... prononcer la bismillah. bismillah Que ce soit avant la fatiha, la que ce soit avant la sourate. Mmh. Voilà. C'est indésirable, le Quand euh, Là, lorsqu'on est dans une prière euh, obligatoire, mmh. c'est-à-dire les, les cinq prières, exactly. lorsqu'on est euh, dans une euh, prière, prière surrogatoire, surrogatoire oui. c'est-à-dire nafila, là, c'est permis. De dire la basmala, si permis euh, même euh, de dire A'udu Billahi min Sheitan Rajim, etc. Mais on n'est euh, pas obligé. Mais oui. on n'est pas obligé. obligé. D'accord. Voilà. Puis-je faire la prière dans une chambre où il y a des cadres photos Oui. Euh, vous pouvez, euh, c'est-à-dire, accomplir votre prière euh, en ayant des images euh, qui sont euh, à vos côtés, mais euh, qu'ils ne soient pas devant vous. Ces images-là, elles ne doivent pas être mmh. devant vous. Pour ne pas te déconcentrer. Pour, euh, voilà, mmh. euh, c'est-à-dire par peur de se déconcentrer mmh. pendant la salat. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, euh, avait dans la chambre d'Aïcha un rideau euh, qui était entre lui et la Qibla, euh, où il y avait un dessin d'un cheval euh, avec euh, des ailes et il était là pendant des jours jusqu'à ce que le prophète wa sallam, un jour euh, il dit à Aïcha euh, mm -hmm. euh, euh, c'est à dire il faut que tu enlèves, ce, que tu enlèves euh, cette image là parce qu'elle me vient pendant la salat mm -hmm. euh, et voyons clairement que le prophète wa sallam, a donné la raison euh, c'est à dire d'enlever de euh, okay. cette image-là, non parce que euh, la, la, la prière, euh, peut-être qu'elle sera euh, annulée, non, mais euh, pour un autre, une autre raison, c'est qu'elle vient au prophète, alayhi wa sallam, et peut-être qu'il se déconcentre. Voilà. C'est dans ce sens-là, mais euh, ceux qui disent que pour les, gens, anges, les, les anges, ne rentrent pas dans une maison où il y a euh, des images, des les photos. images, là, les photos, etc., ce, ce, le hadith du prophète wa sallam est véridique lorsqu'il dit mm. Les anges ne rentrent pas, les anges de, de, de la miséricorde, non pas les anges qui écrivent nos, mmh. nos, nos actes. Voilà. Ils, sont toujours là, ils sont toujours là. Ils ne peuvent pas euh, s'éloigner de nous. Mais euh, les autres anges, ils n'y rentrent pas dans une demeure ou dans une maison là où il y a euh, un chien ou des images. Mais quelles sont les images que le prophète sallallahu alayhi wa sallama, à insinuer, c'est les statues, les statuettes, l'asnam, le, les et non pas les photos et les images, euh, qu'elles soient peut-être peintes ou qu'elles soient euh, photographiées. D'accord. Alors vous pouvez, Inch'Allah, accomplir votre salat dans cette, dans cette chambre. Donner des vêtements à une association qui les vende, est-ce une sadaka Oui. C'est une sadaka. Et d'ailleurs, euh, il y a un hadith du prophète. Mais elles les vendent, l'association. Elles les vendent, bah, elle, elle les vend, mais pour que peut-être cette association-là, c'est une association peut-être de, euh, de bienfaisance. Voilà. Si euh, le statut de cette association-là euh, est une association de bienfaisance, là, c'est une sadaka. Et d'ailleurs, euh, j'allais évoquer le, le, le hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Euh, lorsque au jour du jugement dernier il y aura euh, un musulman euh, qui va être attristé mm -hmm. par euh, le peu euh, de bienfaisance euh, d'action noble qu'il a accompli et il va se dire trois fois euh, c'est à dire euh, qu'il va avoir des remords euh, parce qu'il a Accomplit des, des actions en quelque sorte qui Inachevée. inachevées. Inachevée. 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 Mmh. Un jour, quelqu'un s'est présenté devant sa porte pour demander, on va dire, une baguette de pain. Voilà, uh, Raghif, Raghif Houbs, mmh. uh, une baguette de pain, et il est allé chez soi, il a coupé une baguette en deux, il lui a donné la moitié. Et lorsqu'il est arrivé au jour du jugement dernier, Allah Azza wa Jalla l'a informé que euh, voilà, voici euh, ta récompense si tu avais donné toute la baguette complète. Vous auriez dû la donner. Vous la... auriez dû oui. toute la baguette complète. Il va se dire, oh, ah, et si j'avais donné toute la baguette complète. Oui. Et un autre jour, il a euh, donné un habit à, à quelqu'un, mais un habit qu'il a déjà utilisé. Ce n'était oui. pas un habit nouveau. Voilà. Et lorsque il est arrivé au jour du jugement dernier, Allah euh, lui a montré la récompense de celui qui a donné euh, en sadaqa un habit nouveau qui n'a pas été utilisé. Et là, il aura des remords. Ici, si, j'aurais donné. Et ainsi de suite. Ainsi de suite. Voilà. Je suis mariée depuis deux ans maintenant et je ne suis toujours pas tombée enceinte mmh. après multiples examens et des résultats qui m'ont fait mal au cœur. Mon mari est fertile, mais moi j'ai un gros, un gros manque d'hormones. La gynécologue spécialisée dans la fertilité nous annonce qu'il n'y a pas d'autre solution que faire une FIV ouais, (fécondation in vitro) avec la semence de mon mari voilà, uniquement. Très bien. Là, c'est déterminant. C'est oui, déterminant. Voilà. Avec la semence de, de son mon mari, mari voilà. uniquement. Très et bien. un traitement hormonal, oui. pour ma part. Nous voudrions savoir si c'est péché selon notre religion musulmane oui. ou si nous pouvons commencer le traitement. Merci de votre réponse et de votre service. Inch'Allah, euh, qu'Allah vous donne. InshAllah plusieurs enfants. Et, bien sûr, et ne négligez pas aussi le doua Et voix. cette voie-là est légale. Euh, du moment que la semence soit de son mari. Lorsqu'il y a, voilà, uniquement, lorsqu'il y a une tierce personne qui entre, euh, c'est-à-dire entre les, les, les deux époux, là, voilà. ça devient illégal. Il est légal, Mais sinon, s'il n'y a que... Euh, c'est-à-dire euh, la semence de son mari, là euh, c'est une pratique légale InshaAllah. Exactly. InshaAllah. et puis le c'est le Dua c'est le, le, dua, le dua de, de Sidna euh, euh, Zakaria وانت خير, وأنت الوارثين, حسنا. الوارثين. سي لو مايور دعاء لو ريبيت اشاك ربي لا تذرني فردا وانت خير الوارثين ما شاء الله ما شاء الله اون فراز ربي لا تذرني فردا وانت خير الوارثين السلام عليكم Je suis assistante familiale en France. Mon mari et moi gardons une petite fille depuis sa naissance. Elle a donc grandi avec nous et porte son propre nom de famille. Elle ne connaît pas son père. Elle ne connaît pas son père. Et sa, et sa mère l'a délaissée. Elle est encore vivante. Ouais. Mon mari et moi voudrions l'adopter. Cependant, un imam de la mosquée de Lyon nous a dit que c'était haram. Et oui, il a nous... raison parce que déjà l'adoption est interdite et que nous, dans nous... notre religion. D'accord, et que nous, nous, nous ne pouvions pas lui donner notre, notre famille. Oui. Cependant, en France, il est possible qu'elle garde son nom et que nous lui ajoutons, lui ajoutons le nôtre plus loin. plus loin. Nous voudrions savoir quelles sont les options possibles et que devons-nous faire en sachant qu'en vivant avec nous, nous, nous lui inculquerons la religion, Inshallah. Si nous ne la gardons pas, elle peut tomber dans une famille non musulmane. Nous savons que l'héritage est Haram. Oui. Ce qui ne pose pas de soucis, merci de répondre à notre question. Moi, je, je ne vois pas où est le, le problème du moment qu'elle a... Euh, un faut... prénom et un nom. Elle est affiliée à son père, même qu'elle ne co le connaît pas, mais elle est affiliée. C'est ça. De lui donner un autre nom, tout en gardant le, 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 le nom de. C'est-à-dire pour la préserver, pour ne pas qu'elle aille euh, voilà. chez une autre elle famille présente... d'accueil. Parce qu'en France, il est possible qu'elle garde son nom. Elle garde son nom ouais. et que nous lui ajoutons le nôtre plus loin. C'est va plus loin Il faut éclaircir un peu ça. Plus loin, c'est-à-dire euh, en préservant euh, le prénom, le nom et en rajoutant un autre nom. Un troisième. Un troisième, c'est-à-dire euh, Leila, Juhri, mm -hmm. hein, et puis Megari. Voilà. C'est comme ça, Allahu Alem. Euh, du moment qu'elle ne, ne soit pas une adoption, c'est faisable. faisable. Hein? Déjà c'est faisable par la loi comme il l'a insinué. Hein? Et en, en islam aussi, ça peut être euh, en quelque sorte accepté. Mais non pas affilié dans le livret de, de famille telle que « fille biologique ».

Pour garder peut-être cette fille-là chez vous, vous êtes contraint, hein, dans une contrainte, peut-être de lui rajouter ce nom-là, hein, pour la garder chez vous. Si c'était dans ce sens-là, inshallah que c'est permis. Mais il ne faut jamais euh, l'adopter, c'est-à-dire euh, faire euh, une... Euh, une demande d'adoption auprès de des conscients. instances, etc., pour qu'elle soit affiliées telles que la fille biologique ou le fils voilà, biologique. D'ailleurs, ils sont conscients que pour l'héritage, voilà. euh, elle n'a pas, de droit, à elle a pas de droit déjà à l'héritage. Euh, nous savons que l'héritage est haram, ce qui ne pose pas de soucis. Il y a d'autres manières. Il y a d'autres alternatives, mmh. Bataïl, Ukra. C'est-à-dire de lui don, donner une donation, de lui euh, attester voilà. Euh, voilà, a euh, une... un bien euh, après, le, après leur mort, etc. Il y a d'autres formules. Si votre intention, rien que pour la préserver chez vous, euh, pour qu'elle ne tombe pas dans une autre famille, peut-être qui qu ne soit pas musulmane, Inch'Allah, cette intention-là est noble. Et euh, la procédure. Euh, normalement est acceptée du moment qu'elle ne sera pas déclarée, euh, c'est-à-dire en étant euh, Af ad adoptée, adopté. voilà. affiliée ou adoptée. Salam alaikum. Comme j'ai Al lu qu'en islam, il fallait choisir ses amis parmi les musulmans. Est-ce vrai Peut-on avoir des amis non musulmans C'est euh... la première question. Euh, oui. <laughs> bon, pour choisir, pour choisir, euh, il faut choisir euh, ses amis parmi les pieux, parmi euh, ceux qui appliquent la religion. Mais parfois, on est tombe comme ça parce que euh, on ne règle pas euh, non, 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 son cœur. On, si peut, avoir, bien, on peut avoir des amis d'une autre religion. Parce que parfois, les amis, on ne les choisit pas. Mais le ah. Coran est clair là-dessus. Ouais. La Allah » Ah, ce n'est pas, 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 hum, pas une amitié. Mais elle elle, elle une supporte amitié. ce sens-là. Mais oui, elle peut elle supporte. supporter ce sens oui. du moment que s'il y a euh, une, euh, -à -dire, euh, une influence. Voilà, au moment où il y a une influence sur votre comportement, sur votre religion, peut-être sur votre conviction, là, il faut s'en séparer. Mais sinon, s'il n'y a pas une influence, ça rentre dans les relations que peuvent les musulmans manier envers les autres. Et le musulman est celui qui va aux autres. Mm -hmm. C'est-à-dire, il, il ne néglige jamais l'amour d'autrui. Tel que je l'ai euh, insinué euh, pendant le, le début de l'émission, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam euh, a aimé son oncle. Et le... Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول

cest dire une influence. Voilà, au moment où il y a une influence sur votre comportement, sur votre religion, peut-être sur votre conviction, là, il faut s'en séparer. Mais sinon, s'il n'y a pas une influence, ça rentre dans les relations que peuvent les musulmans manier envers les autres. Et le musulman est celui qui va aux autres. Mm -hmm. C'est-à-dire, il, il ne néglige jamais l'amour d'autrui. Tel que je l'ai euh, insinué euh, pendant le, le début de l'émission, que le prophète alayhi wasallam, euh, a aimé son oncle. Et l'islam. Il visitait il... Son, son, son voisin qui était juif. Et voilà, il visitait son voisin qui, qui, son voisin qui était juif. Et puis, aussi, le prophète à, à épouser euh, des femmes qui n'étaient pas musulmanes au début, qui se sont converties à après. Maria et puis, voilà, Maria, al -Qibriya. Et on ne peut pas se marier avec quelqu'un sans le chérir, sans l'aimer. Et lorsque l'islam aussi nous permet d'épouser euh, une juive ou une chrétienne, c'est-à-dire d'une autre tendance religieuse, là, l'islam appelle cette femme-là, l'épouse, hein? mm -hmm. euh, il l'appelle as al-sahiba ». Lorsqu'il dit mm -hmm. « yaumayaferru min wa ummihi wa wa sahibatihi, sahibatihi wa ah sahiba « al-sahiba » c'est-à-dire l'ami. Mm -hmm. Mais ça peut dire aussi le conjoint, le conjoint. ça peut dire aussi l'épouse ou l'époux. C'est-à-dire que euh, le musulman, lorsqu'il a cette relation-là, de conjoint envers euh, une autre qui n'est pas musulmane, elle est son, sa conjointe, mais aussi son amie en même temps. D'accord. Euh, ma deuxième question porte sur le mauvais oeil. La haine. Comment s'en protéger prophète, notamment euh, du mécréant, je sais pas. Il ne faut pas exagérer là-dessus. Il ne faut pas exagérer, mais quand même, euh, l'œil existe, non. le mauvais oeil existe. Non, mais on a العين حق سيت ان بروبو دو بروفيت صلى الله عليه وسلم وانها لا تدخل الرجل القبر والجمال القدر سارونتر دون لي لي شوز كالله عز وجل ا يبروف ايغفروي ليكيل ا يبروف لي 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 جون يا دي امتحانات ابتلاءات Et, et puis, le, le, Allah a dit au prophète c'est-à-dire qu euh, que les mécréants les avaient l'intention, par la haine euh, qu'ils avaient au coeur en, envers le prophète وسلم, de le faire tomber même avec le mauvais œil. Et euh, lorsqu'on parle du mauvais œil, on parle du djinn. On parle d'un. Satan. Et comment pourchasser ce Satan-là Pour que nous-mêmes, euh, c'est-à-dire euh, on n'atteint pas autrui par le mauvais œil, c'est euh, de prononcer « dhikr ». Lorsque vous voyez quelque chose euh, de bon ou de beau, etc., vous dites « Masha'Allah, la ilaha illallah », etc. Ça pourchasse le mauvais esprit, le mauvais esprit, le, le mauvais œil. Et lorsqu'on est convoité aussi par les gens qui voient euh, une nima hein, euh, en nous, euh, on est aussi invité à, euh, à, à, non, évoquer, à, à évoquer Allah Azza wa et à lire surtout deux sourates. Qul a'udhu bi Rabbi al-Falaq » et « Qul a'udhu bi Rabbi » Vous avez un autre avis, M. Miguel? Oui, bon, bon. c'est préventif. C'est préventif. Très bien. Mais il ne faut pas expliquer tous les mots qu'on subit par la haine. Parfois, ouais. une femme Ça devient excessif. Là, ça devient excessif. Sa fille doit, doit aller chercher le psychiatre. Ouais. Ah non, non, c'est la haine, c'est le mauvais ouais. haine. Il ne faut, faut pas expliquer tous les mots, toutes par les de... Allah, Parce Il ouais. faut donner ouais. ça juste... Euh, et puis, euh, quand il y a euh, quelqu'un qui est atteint du mauvais œil, mmh. une simple rukia euh, mmh. dans l'eau, et on peut y boire et peut-être se laver avec, et mmh. ça parte. Et sinon, si ça persiste, ça veut dire que ce n'est pas le mauvais œil. Il mmh. faut chercher ailleurs. Il mmh. faut chercher chez le, le médecin, il faut chercher euh, chez le psychiatre, le psychologue, etc. Et même non, chercher. Il faut, chez... faut d'abord s'assurer que ce n'est pas organique. Psychique, ou neurologique, puis un C'est pas le contraire. On peut procéder à. Là, on met en même en temps. En même temps, Mais il faut, faut jamais rentrer dans l'exagération. Parce qu'il y en a des gens qui parlent jour et nuit. Des djinns, euh, de l'ain, du mauvais œil, etc., jusqu'à ce que leur euh, voilà. vie soit attristée par ce statut-là d'être toujours euh, figé par euh, les gens, etc., ah. alors que euh, ah. le, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y avait que à quatre reprises qu'il a dit euh, à ses compagnons de faire une, une, une ruqya à quelqu'un qui était euh, malade ou, ou atteint non. du mauvais œil. Que quatre fois pendant toute la vie du prophète, euh, c'est-à-dire les 23 ans, lorsqu'il était euh, prophète. C'est-à-dire que le prophète alayhi wa sallam, ne prenait pas euh, cette question-là en étant une question très très importante. Parce qu'aujourd'hui, on a des gens qui font la ruquia, c'est-à-dire en se transformant en médecin. Euh, que euh, qui s'auto-proclame médecin oui, d'âme, oui, etc. Médecin oui. de l'âme, alors que ça n'existait pas au temps du prophète, ni même au temps euh, des tabirines Chacun hein. euh, euh, se... voilà, Barakallahu voilà. Et puis, il faut. Et normalement, docteur, lorsqu'on ne délaisse pas sa prière, lorsqu'on évoque on, on, régulièrement on ses Dieu Allah lorsqu'on évoque, on évoque Allah, régulièrement on est, on est protégé, à l'abri. Normalement, on est à l'abri. Voilà. Mon mari ne s'acquitte pas, pas la zakette. Zeket elmel. Zeket elmel. Oui. Je lui ai dit à plusieurs reprises de le faire, mais il ne veut, pas, il ne, il ne veut rien entendre. On s'est même disputé à ce sujet, mais il me dit toujours je le ferai plus tard. Plus tard. Il me dit aussi que cela ne me regarde pas. Est-ce que je suis aussi responsable que lui ou non par non. rapport à l'acquittement de zakette Zek, de <laughs> Vous n'êtes pas responsable. Voilà. Heureusement. Euh, déjà, euh, déjà, vous l'avez conseillé à maintes reprises. Et puis, c'est lui euh, qui est le fautif. Mmh. Euh, et c'est lui qui est le concerné, parce que euh, chacun s'acquitte de sa zaquette par rapport à sa richesse. Si ça concerne ton argent et ton argent, euh, c'est-à-dire ils sont en état à de, de ton argent, là. Vous êtes dans l'obligation déjà de demander premièrement votre argent et puis de, de vous en acquitter si ça concerne votre richesse. Mais si ça concerne sa richesse, c'est bien. Euh, c'est bien, voilà. Mmh. Euh, vous n'êtes euh, pas responsable et même vous avez fait plus euh, que ça, c'est-à-dire que vous l'avez conseillé ou adhékir. Vous, vous avez bien sûr euh, la récompense. Je voudrais savoir si je peux donner ma zakat à mon petit-fils qui est dans le besoin et il n'a aucun revenu. Et il ne travaille pas. Son père la, a abandonné. les a abandonnés, lui et ses frères, ainsi que sa mère. Oui. Euh, si et, et, ils ne sont pas sous euh, votre responsabilité directement. C'est-à-dire si, euh, apparemment du ils... moment qu'ils sont euh, sous votre responsabilité, c'est comme si vous avez donné cette zakat à vous-même. C'est-à-dire euh, euh, vous subvenez à leurs besoins existentiels et en même temps euh, vous, vous vous donnez la, la zakat. Lorsqu'ils sortent en quelque sorte de votre nafaka, là c'est permis. Quand est-ce qu'ils sortent C'est-à-dire s'ils vivent séparément. Mm. par rapport à lui là il peut leur donner et mon petit son petit fils dans le peut-être peut-être c'est son petit fils qui n'est pas l'aîné non non c'est son petit fils qui est l'enfant le oui, oui. mm. euh, euh, de son fils ah d'accord et il y a le petit fils qui est l'enfant de sa fille mm. si ça concerne l'enfant de sa fille le mm. fils de sa fille là c'est permis du mm -hmm. moment qu'il est dans le besoin, mm -hmm. qu'il est nécessiteux. Si ça concerne l'enfant ou le fils de son fils, mm -hmm. et peut-être le père les clair. a délaissés, et ils sont sous euh, sa responsabilité, là, il ne peut pas leur donner cette zakat. S'ils si vivent séparément par rapport à lui... C'est-à-dire qu'ils subviennent à leurs besoins existentiels euh, séparément, c'est pas par euh, euh, sa donation. Là, vous pouvez leur donner votre zakat. C'est clair. C'est quoi l'heure exacte de Qiyam Layl L'heure exacte Il n'y a pas d'heure exacte. Une tranche. Il y a une tranche euh, de temps. Oui. C'est entre l'accomplissement de, de la Salat al et euh, le Fajr et d'après les textes le meilleur c'est le, le troisième tiers de la nuit, nuit. c'est à dire les... une heure deux heures ou trois heures la tranche la dernière tranche c'est à dire le temps y y donc, ygoder, qui précède لا نو نو يعني حديث ينزل ربنا إلا في الثلث الأخير من من الليل. في الثلث الأخير هل من هل من مجيب هل من داع فاجيب هل من طالب حاجة هل من طالب حاجة اكسترا راسه طا. il il descend par sa mise des cordes bien sûr c'est à dire c'est là où le moment le moment où l'être humain et son son quelque sorte de tout ce qui l'attache au matériel. Mm -hmm. Et il est euh, dans une communion entre lui et son créateur. Mm -hmm. Et il se sent même lui très très proche de son créateur. Mm -hmm. Et là, c'est le meilleur moment euh, de, 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 de l'accomplissement de la prière de Qiyam al-Layl. Mm -hmm. ouais. Mais sinon, tout ce qui est euh, prière entre la prière de l'Isha et euh, la prière d'Al-Fajr est considérée comme qiyam al-Layl. Même les deux, les deux, les deux raka'at de Shafa sont considérées euh, qiyam al-Layl. C'est-à-dire le minimum de qiyam al-Layl, c'est deux raka'at. Et il n'y a pas de maximum, mais il y a trois euh, hadith euh, qu'on a rapportés euh, par rapport à la pratique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si parfois, il, il accomplit 8 raka'at, euh, 2 par 2, 2 par 2, etc. Parfois, il accomplit euh, 16, 16 raka'at, et parfois, il accomplit euh, 20 raka'at. Euh, bien sûr, euh, avec l'huître, ça deviendra 21. Euh, C'est ça la tradition du prophète. Il nous reste une question qui est relativement ouais. longue, un peu. Alors, on un prend une compliqué. autre, peut-être non, non, mais on n'a pas suffisamment de temps. On laisse pour la semaine prochaine, docteur. Euh, C'est du Nadia de Lille. Euh, la semaine prochaine, inshallah. Docteur euh, Jouhri, merci pour tous oui, ces éclaircissements, oui, ces précisions. Oui, euh, mesdames, messieurs, merci pour votre attention. Euh, nous nous rencontrons, inshallah, la semaine prochaine. D'ici là, assaudiakoumou Allah, la tadhiou wa da'i'oum. Salam alaykoum wa rahmatou wa barakatou.